Retour au Palais Omnisports de Paris-Bercy pour la deuxième partie de cette journée avec la Française Isabelle Severino à la poutre. Très très grosse difficulté, rondade saut périlleux tendu avec un déséquilibre qui va lui coûter cher. Saut périlleux avant, malheureusement une chute. Isabelle a 30 secondes pour remonter sur la poutre et elle semble en difficulté en ce moment. Oh là là. Encore un petit problème. Elle n'est pas à son affaire aujourd'hui, Isabelle Severino. Cette jeune gymnaste est très très sollicitée en ce moment et il lui est difficile manifestement de combler. Sortie en double vrille et demi, un pas en avant, Isabelle un peu en difficulté, mais je sais que c'est une gymnaste de talent, c'est la 10e mondiale. À la poutre, elle sait parfaitement se défendre. Il va falloir simplement maintenant qu'elle affine son programme en prévision des championnats d'Europe de Saint-Pétersbourg. Regardez ici cette vrille poisson où la gymnaste arrive en enfourchement et elle est désaxée. Une sortie avec un tout petit manque de saut périlleux qui l'oblige à fléchir et à faire un pas en avant. La note s'en sentira. On va attendre de voir donc quelle va être la note. Effectivement, de Isabelle Severino, bien souvent déséquilibrée, comme c'est le cas là.